Bonjour tout le monde, on revient sur Wizards and Warriors. Après avoir vaincu l'hydre, alors on a vu qu'il y avait du jungle Lily. Dans l'éclairage juste devant vous, vous voyez une énorme bête à quatre pattes, dont les têtes serpentines. Oui, enfin, elle est morte là, du coup, les gars. C'est l'hydre légendaire. Elle est morte. Ça aurait été bien que tu mettes ça avant que je la tue. Alors qu'est-ce qu'on a comme trésor pour avoir tué cet ennemi relativement difficile à tuer? Nufa's War Chain. C'est que 4 en AC, donc c'est moins bon que ce que t'as, mais c'est du stuff Nufa's spécifique. Lame de mage. Dégâts 6-18. Well, well, well. Toi, t'as par contre, je sais pas augmenter la compétence d'AG encore. Tu vas rien toucher avec ça. C'est pas grave. Lame Vorpal. Un peu d'agi toi aussi, parce que pour l'instant Valandry il a beaucoup en agi, c'est peut-être pas la peine qu'il ait 75 en agi. Pierre de mage. J'allais dire Safana, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Et le temps que je réagisse, boum. C'était short, hein, encore une fois. Il y a un ancle là, quelque part. Ancle de présence, vas-y. C'est de la merde, ça intéresse personne. Le Kabuto, c'est 2 en armure. Ce casque est de 20. Kitira, tu vas enlever ton Kabuto. Je vais mettre ça à la place. Au pied de la colline, une mer infinie de désert s'étend devant vous. Bien. C'est boule-boule. Scorpions. Si donner des carapaces de crabe, ça me plairait bien, mais les gens sont vraiment pas très... Pourquoi on a tourné là? Pas très coopératif là. On est reparti pour un combat d'1 heure. Alors c'est cool de jouer en difficile, ça rapporte de l'XP.
Bon, par contre, c'est relou. Niveau de la durée des combats sur le dernier quart du jeu, là, les combats durent beaucoup de temps. Ce qui rend du coup la magie relativement invalidée en fin de jeu. Hein. <coughs> 10 000 XP seulement, putain, pour des mobs qui ont autant de points de vie. C'est relou. Pour moi, ça valide le fait que la classe ultime sur ce jeu, ça reste samouraï. Samouraï, la première moitié du jeu, tu défonces tout à coup de magie. Et la deuxième moitié du jeu, tu défonces tout à coup d'attaque parce que tu as le bonus en toucher lié à ta feat Ancestral Guidance. Tu as le bonus de vitesse avec Prowess, tu as le bonus de vitesse avec la feat spécifique à Samouraï qui est Tiger Strike. T'as le droit d'utiliser tout le stuff du jeu. Quasiment sans limitation, sans restriction. Ah mais putain, mais vous êtes 4 en tout. Oh les gars là. You are going to be a bit relou. Je sais pas ce que vous avez contre Kitira. Vous savez, Kitira, elle est pas toute seule dans mon groupe. Hein. Vous pouvez taper d'autres personnes. Hein. Et moi j'ai des compétences d'insta-kill, il serait bien que mes persos ils s'en servent un peu. Pardon Claire, je suis en mode spam clic gauche là. Bon c'est bien, ça me donnait 44 000 XP à tout le monde, hein, je veux dire, attention, c'est sympa. C'est-à-dire t'as quasiment un sixième de niveau, un niveau je crois que c'est 250 000 XP. Hein, maintenant, et c'est fixe. Donc c'est pas perdu, hein. C'est même grandement apprécié. Ah bah quand même. Relou les gars. On est relou les gars, ce que je vois. Et il faut trop de mana pour les détruire en magie, ces mobs. C'est pas rentable. Un crab of the sea? Oh, il y a un crab of the sea pas loin. Ça, c'est bon, ça. Peut-être une carapace? Un jour, il y en aura une magique, une Battle Mace. C'est ça qui manque, en fait. Ils ont fait plein d'épées magiques. Ils ont juste oublié de faire des masses autre chose que des Warhammer plus 1. Ballot, hein. Ah, c'est ballot. Bon, il est où, le Crab of the Sea, là? Petit crabe de scie est demandé à l'accueil, le petit crabe de scie. Non, toi, t'es pas un crabe de scie, toi.
Ouais, tes potes ils peuvent se barrer. Ah, ça rapporte de l'XP hein, ces bêtes là, mais. Ça, c'est pas des Crab of the Sea, ça, c'est des Raptors. En même temps, le Crab of the Sea, met à vie qu'il est plutôt. Là, dans la mer. Que dans le désert. Bah, après. Je pourrais pas trop m'avancer. Je pense qu'un crabe de la mer a plus de chances d'être dans la mer que dans le désert. Légère supposition, quoi. Savannah, t'es sérieuse là? Ah oui, d'accord, j'avais pas vu la difficulté du truc. Évidemment, personne n'a disarm trap ici. Mais si elle. C'est de la source, c'est de la merde ce sort, dis donc. Bon, c'est de la merde votre sort là, les enfants. Ah, Vendry il a réussi à le casser au moins. Hein? On va éviter les sorts de merde maintenant et puis on va foutre des grandes mandales. Bah pourquoi il était si sévèrement fermé celui-là? Pas comme s'il y avait du loot intéressant à l'intérieur. Ah bah si d'accord, il y a Monk Sword. Ok, on a trouvé le Monk Sword. Objet de kit. Les brigands de Brimlock, non, ceux-là ils peuvent rester chez eux, ils nous intéressent absolument pas par contre. Le mob à 3 XP là, ça va 2 minutes, mais c'est un peu lourdingo là. Maintenant. Un peu has-been. Faut vouloir leur manquer de respect. Bon, has-been les gars. Donc on a tué l'hydre et on a le Monk Sword. Et on a la Sword in the Stone. On l'a toujours, Sword in the Stone. On l'a rendu, non? Et si on l'a rendu, c'est quoi la quête qu'on a à la place? Ah non, c'est pas la Sword in the Stone, c'est les glands. La Sword in the Stone, on l'a déjà rendu. C'est ça. C'est les glands qu'on a aussi à faire. On a deux pour l'instant des glands. Bon, il y a beaucoup de coffres qui servent un peu plus à rien maintenant. On a des gants qui ont un look spécial là. Des gants de samouraï plus 1. Ah, 1,65 hein, en armure. Ah, c'est autre chose que tes brassards en cuir, effectivement.
Bon, bah, comme quoi, les coffres, ils servent aussi un peu à quelque chose de temps en temps. Bon, vous voyez, je suis mauvaise langue. Là, on arrive au bout du monde. Par là-bas, il y a la pyramide. Pas très loin d'ailleurs. Il y a donc beaucoup de clipping, hein, parce que si on la voit pas d'ici, c'est qu'on est un peu aveugle. Oh non. Meurs vite, toi, avant de voler quoi que ce soit, s'il te plaît. Mais bon, on a toujours nos respirateurs. Je trouve ça très désagréable, la capacité des mobs à te voler du stuff. J'ai toujours trouvé ça chiant. Donc là, on va explorer effectivement le désert. Donc sur la carte, le désert, il est grand comme ça. Il est grand. Hein. Il n'y a pas grand-chose à voir hein, d'autre que ce qu'on a vu là. On a vu tous les points intéressants. Il reste que la pyramide qu'on n'a pas vue. Pourtant, elle est juste là. Hein. Tout ce qui va rester maintenant, c'est à trouver des espèces d'hommes-arbres là pour choper des glands. Et ensuite, il va falloir farmer des crabes. Voilà. Et après on s'attaquera aux deux derniers donjons. Hep, les amis. Il faut vos glands. Les horreurs d'écorce. La fin est claire. Il faut qu'on en trouve deux encore. Vous n'êtes pas le genre à avoir des glands, vous. Enfin, bon, bref. Non, je ne ferai pas de commentaires. Bref, ils vont juste pas m'aider pour ma quête, quoi. Thank you.
Bon, vous êtes gentils les gars, vous servez à rien. Vous allez me coûter un sort de soin. D'où ? Bon, ils m'ont vu. Comptez le pas les avoir à les tuer eux, mais j'aurais pas le choix. Bon, 7000 XP, je m'en fous plus ou moins. Une fois qu'on aura fait le désert, il n'y aura plus que les deux derniers donjons à faire. Hein. On aura exploré tout ce qu'il y a à explorer. Oh merde. Claire, tu fais un heal sur Kythera, s'il te plaît. Bah, on va vous casser la gueule à vous, c'est pas comme si on avait le choix. En même temps, dans le désert, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je laisse les random encounters en often? Je suis pas sûr.
Je suis un peu d'XP, mais on s'en fout. Faut 40 de ces rencontres là pour faire un niveau, alors c'est pas grand chose. Vous voyez le désert? Pas encore au bout là du désert. Hein. Oh là, des dragonfly. Mais s'il vous plaît, soyez sérieux là. Et des raptors du désert dans le coin. Oh, ça meurt bien, ça donne un peu d'XP, donc ça me dérange pas. Ça meurt vite, hein. C'est pas des mobs, faut taper dessus pendant 3 heures pour qu'ils meurent. Ouais. Pas gênant. Voilà, ce que j'aimerais trouver, c'est les arbres, il m'en manque 2. Voilà. Le raptor, vous avez commencé par mourir. Bon, en fait, on va laisser les raptors. On va commencer par les arbres. Ils font plus de dégâts que les raptors. Donc tuons les arbres, même s'ils sont un peu plus longs à tuer. Une fois qu'on a fini de tuer les arbres, on n'a pas besoin de finir de mapper le désert, hein, je veux dire, on s'en fout. Ce qui nous manque, c'est des crabes. Et il n'y a pas de crabes dans le désert, donc on s'en fout. Quand tu mapper le désert, c'est cool si on veut... Ah, lui, il nous a pas donné de gland, je crois. Il y a une graine. Bon, Edwin prend là. Il n'y a que Vandril qui a pas sa graine pour l'instant. La graine, le Andrine, normalement on a chacun nos graines. On doit pouvoir aller rendre les quêtes là. Puisqu'on a les graines, on a la Monk Sword. Et on a tué l'hydre. Logiquement on a fini pour nos quêtes et je pense qu'on a fini les quêtes du jeu du coup. Il y a peut-être une ou deux, pas sûr. Kitira, c'est toi qui as le plus de classe d'armure, mais putain, qu'est-ce que t'en prends dans la gueule, hein?
Ah voilà la pyramide. Un de nos amis, les Sandcrawlers, avec ses 11 000 XP, nous y souhaite la bienvenue. T'as empoisonné Edwin, mais tu lui as pas fait de dégâts en même temps, donc on va déjà te tuer mon pote, puis on s'en occupera après. Pendant Edwin, on va aller l'entraîner sur la compétence dague, puisque je lui ai mis une dague, mais qu'il a zéro en compétence dague. Sortant du désert comme une oasis sinistre de pierre, la grande pyramide, la tombe du seigneur Set Udwakan, étend son ombre sur les sables alentour. Nous ne sommes pas autorisés à rentrer parce que nous n'avons pas les trois pierres. Les marques étranges gravées sur les murs de la pyramide semblent être dans un schéma particulier. Oui. Ou les tablettes. On avait une pickaxe, je pense qu'on pourrait fouiller ça. Voilà, donc il faut qu'on aille chercher les tablettes donc dans la cité engloutie. Bon bah moi ce que je vais faire c'est que je vais arrêter là pour cet épisode, je vais juste aller rendre les quêtes en ville, bon ça va déjà me prendre du temps me direz-vous, tu auras raison. Donc ouais la pyramide elle est grande hein. Je vous disais hein, je sais pas comment on faisait pour pas la voir avant, on était littéralement à 10 mètres. Les gars, j'en ai rien à foutre de vous. Il faut vous balader si vous voulez, là. Mais alors, j'en ai rien à foutre de vous, là, par contre. Je vais pas m'arrêter pour vous casser la gueule. Hein. Je pense pas être à 7000 XP près, hein. Voilà, on a la pyramide qui est mappée. Vous me cassez les couilles là, les mobs. Pas si on vous l'a déjà dit, mais vous me cassez les couilles. Je vous le dis officiellement là. Alors on va prendre Death Strike, toi qu'on va te monter au niveau 3. Second Weapon, on te monte à 4.
Donc ça, fin là, tu vas nous poser un portail. C'est quoi? Ouais, si, vas-y, crée-nous un portail. Vas-y. Ensuite, call of home. L'appel de la maison. Alors, nous avons tous nos glands normalement. On va aller à la Magic Shopper. Mon Dieu, vous avez trouvé une graine, des arbres vivants. Laissez-moi la toucher. Oui, ça ira. C'est encore une quête. Silence, il n'y a plus que le silence. Toi, tu donnais pas beaucoup d'XP par rapport à, aux autres guildes hein, pour tes quêtes. Mais c'est fini. Je pense que nous avons fait toutes les quêtes secondaires du jeu. Sauf peut-être le trésor du capitaine, mais ça on va attendre d'avoir un respirateur. Donc toutes ces quêtes secondaires servent pas à grand chose. Enfin elles servent à vous donner des rangs quoi. Au cas où vous voudriez apprendre plus de compétences, plus de trucs. L'idée est bonne. L'idée est très bonne, ce qui est mal foutu c'est... Quand vous prenez une quête ou quand vous rendez une quête, il devrait vous mettre un texte avec une coche pour zapper si vous n'avez pas envie de le lire. Plutôt que de vous faire perdre tout ce temps. Bon, à part ça, pas grand chose à dire. Les quêtes sont bien. Elles vont vous faire aller un peu partout. Il y a même un donjon un peu optionnel niveau quête. Ce que j'ai tendance à trouver très cool. Sword, non, on en a besoin. Le Monk Sword, c'est pour qui? Toi, là-haut, tu n'as plus de quête, hein, je crois. Bien joué, vous avez trouvé le Saint Monk Sword. Notre foi a été confirmée. 10 000 XP. Ouais, lui, il est quand même moins radin que le mec de sa guilde des mages à la noix. Hein. Non, on finit donc avec le temple. On a fini avec à peu près tout, je crois, au niveau quête. Nouvelle merveilleuse. Nous avons récupéré le Monk Sword. Ouais, je suis un peu au courant. C'est moi qui l'ai fait. Et je crois que l'hydre, c'est à l'hôtel de ville hein, qu'il faut valider la quête. Alors, juste un truc clair, est-ce que tu avais encore des trucs à entraîner? Alors bon, du coup, on va faire réparer. Par contre, pourquoi cet arc long, on peut pas le vendre? Bah, on peut le vendre, c'est juste que Valandril... Je le fais jamais vendre, lui, je sais pas pourquoi.
Ok. Edwin, par contre, je suis beau d'or que tu ne pourras pas apprendre le combat à deux armes, etc. Je suis beau d'or bien. Par contre, entraîne-toi à la dague, on l'a dit, toi. Voilà. C'est ça qu'on voulait. On va aller au Tovnhal. Vous avez tué la puissante hydre à trois têtes. Vous êtes des champions comme il n'en existe pas d'autres. Quel courage, quelle puissance. Bien joué, aventurier. Je donne 10 000 XP et 10 000 gold. Une autre quête? Désolé, je n'ai plus rien. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à la Magic Shop? Non, il n'y a plus que le silence. Donc il reste plus que la guilde des voleurs où je suis pas allé voir si j'ai encore autre chose. Et s'il n'y a plus rien, on a fini. Eh, vous êtes en retard? Quelqu'un a déjà trouvé la pierre de l'épreucône? Il n'y a plus grand chose à faire par ici. Alors tu pourrais m'apprendre backstab. Honnêtement, on joue pas assez avec l'invisibilité pour que ça ait du sens. Eh, vous êtes en retard, quelqu'un a déjà ramené la pierre du léprecone. Ah bon, on l'a même pas rendu la pierre du léprecone. Si, si, on l'avait déjà rendu. T'as quoi d'XP, toi, là? Il te manque 52 839. Vous voyez ce que je vois? On va voir si c'est juste un problème d'affichage. Non, c'est pas juste un problème d'affichage. Ok. Ok, on peut faire de l'XP infini. Écoutez, moi je vais me faire un petit niveau sur Kitira et Safana. Hein. C'est gratuit. Comment ça, c'est du bug? Bah et alors, c'est pas de ma faute, il est là le bug. En même temps, c'est 5000 XP bien mérité, hein, parce qu'il faut se taper 5 minutes de speed du PNJ à chaque fois. Hein. Si je vais dans le désert et que je tue le géant, l'XP rentre plus vite. Hein. Bon, moi je m'arrête là, il me reste plus qu'à aller farmer des crabes jusqu'à choper les carapaces pour faire 3 respirateurs et 2 casques. Donc on va y passer du temps, je sais pas, je peux faire ça en une demi-heure comme je peux faire ça en 3 heures. Je n'en sais rien. Donc je vais tranquillement... faire ça. Off caméra. Et il me restera du coup 2 donjons à faire. A priori, les 2 derniers donjons, faut quand même compter dans les 8 heures pour les faire hein, ensemble. Hein. Donc il y en a encore pour un petit paquet de temps là. 71 000 XP pour toi. Ouais, bah je vais pas te faire faire level up juste avec ces quêtes, c'est un peu relou. Ça sert à rien en plus, et puis c'est un peu relou. Mais bon, on n'est pas vraiment à ça après en fait en termes d'XP.
Je veux juste voir si effectivement Kitiara peut aller marquer un level up. Je vais vous retenir le temps que ça se fasse. C'est chiant, hein, les PNJ qui parlent comme ça pendant 10 minutes pour rien dire. Si tout le monde avait été par exemple barbare, parce que Valandry pourrait aussi en profiter hein, d'ailleurs, les barbares. Si tout le monde avait été un jour barbare, alors Valandry par contre, il n'était pas inscrit ici, donc ça sert à rien. Et si tout le monde avait été barbare au début de sa vie, ça aurait été... En fait, si je dois rejouer ce jeu, la manière dont je pense que je joue, je fais un guerrier, un prêtre... 4 magiciens, 1 spécialisé Stonecraft, 3 spécialisés Suncraft. Le guerrier, il part dès le niveau 1 sur Barbare pour aller chercher ensuite Locks and Traps. Quant au mage, il part sur Samouraï. Vous voyez, on a effectivement un niveau sur Kitiara, formidable. Paye ton bug. Monte un peu Death Strike, toi. Ça fera pas de mal. Toi, tu n'as pas des strikes malheureusement. Donc là, t'as 3 en sorcerie, mon galanterie. Et en parlant de ça, puisque t'as pas des strikes, toi, est-ce qu'on peut encore te le chercher? Ouais, toi, t'as encore largement de la place, hein, Rizia. Elle peut pas l'avoir. Alors il y a un bug, vous voyez, la force il me dit que je peux plus l'entraîner, mais en fait si, je peux l'entraîner. Vous pouvez vous entraîner jusqu'à 19. Je vous dis que non, mais en fait si. Vous pouvez vous entraîner jusqu'à 19 dans les caracs. Alors du coup, Kitiara, est-ce que toi, tu peux t'entraîner à la Guilde des Mages jusqu'à 19? Ouais, tu peux. Très cool. Parce que Kitiara a un angle d'intellect. Et hop, Kitiara 20. Donc Kitiara 20, on gagne 5 points de compétences par niveau. Alors elle va plus gagner grand niveau, elle est niveau 18. Mais c'est juste histoire de dire que... On a encore 2 angles d'intellect. Est-ce qu'on peut pas faire la même chose avec 2 personnes? Genre on peut ordonner un à Safana. Et il en faudrait 1 à Valandril et 1 à Orizia. Donc Valandril et Orizia, pouvez-vous vous entraîner en intelligence?
Bah, tout le monde va s'entraîner en intelligence, de toute façon. Il n'y a pas que Vendrille et Orisia, hein, tous ceux qui peuvent. Bah, elle, elle peut plus, par exemple. Voilà. Elle, elle peut encore. C'est bizarre parce qu'elle vient de passer à 20 en intelligence. Pas que je m'en plaigne, hein. Ça m'évite un manque. Donc le jeu vous dit vous pouvez pas, mais en fait vous pouvez tout à fait, hein. Vous voyez, elle pourra encore. En fait, je pense que vous pouvez même monter jusqu'à 20 en intelligence. Bon, du coup, un intel qui a combien? On a 3 personnes. On a Orisia, Valandril, Edwin. Orisia et Valandril, vous allez prendre un Ankh, du coup, d'intelligence. Toi, tu vas utiliser ces Ankhs-là, Kitiara. Toi, plaise. Donc Orisia, tu vas utiliser ce tank d'intelligence pour passer à 20, gagner un point de compétence en plus. J'ai pas utilisé ça d'ailleurs. Tu sais quoi, avant de quitter, on va essayer d'utiliser cette lampe. On va voir quelles sont les options possibles. Utilisez la lampe, mais rien ne se passe. Est-ce que toi, Edwin, tu auras plus de succès? Elle est en rouge, hein. Claire, peut-être toi tu pourras l'utiliser. Peut-être qu'il fallait un prêtre, hein, ou une classe de perso particulière. Ou un endroit particulier. Bon, dans tous les cas, on peut pas l'utiliser. Ok, voilà, bah on va s'arrêter là. Et on se retrouvera quand j'aurai les respirateurs pour tout le monde. Ciao tout le monde.